Bon. Les expopiés, ok, c'est pas mal. And I am armed. Je pensais que ça allait être une game un composant. Nombre de moments qui se sont fait insulter. Enfin, moi, le FDP World, il part assez facilement quand je suis avec des gens que. Bon, genre des potes, tu vois. Mais... Après, bon. Je le pense pas, quoi. Enfin, c'est pour rire. Bien entendu, aucune de leurs mères ne font ce travail. Hein. C'est pas la peine de le préciser, ça. En vrai, vous pensez c'est qui a le plus ragé entre moi et Chap? En vrai, Chap, c'était incroyable. Quand je l'entendais à travers le micro de... Quand je l'entendais à travers le micro de Narcus, ça me mettait extrêmement bien. Non mais je peux comprendre pourquoi ça donne envie de Cancer Soft. C'est trop bien d'entendre les autres ragés. Je pense qu'on va vendre ça. On va faire 20 gold. On va mettre l'arc ici, on va open fort un peu, enfin un semi-open. Je pense qu'on va faire ça. Je vais faire des gold. On pourrait prendre la Leona. On a un Yasuo RFC, ça se joue ou pas? Full open. C'est comment les Zeke sur Yasuo, c'est bien non? Les gars, je crois que je vais gagner là. Ok, nice le boss. Je vais vendre ça et pré-level je pense. J'ai un Zeke en RFC. Ah, je suis niveau 5, 50 gold, 66 HP. En 2 sets, c'est incroyable en vrai. Hein. Sinon on joue juste Yasuo sans réfléchir, genre on se pose pas la question, on se dit vas-y tiens, on va jouer Yasuo. Moi ça me va. Hein. Zeke RFC fuck it. Peut-être un kill en plus. Ok. On peut. Oh. Ok.
Bah là on va soit faire des good loss, soit au bout d'un moment on va gagner des rounds quoi. Et ça c'est pas mal. Je pense qu'on chill jusqu'aux walls là. Yasuo 2 c'est vraiment fort. Aphelios Belt, on va remove et on va faire une Sunfire je pense en front. En soi on n'est pas obligé de slammer Sunfire. C'est pour les rediffs. C'est pas une question de rediff ou quoi, hein. C'est une question de ce que t'écoutes. Y'a pas de copyright sur les trucs que j'écoute. J'écoute des sons faits par des petits artistes en fait. Enfin, des artistes qui font pas des strikes Twitch quoi. Sur YouTube ça peut arriver, mais sur Twitch c'est assez particulier. Genre, y a que les gros labels genre Universal et tout qui font qui strike les chaînes Twitch. Oh ça c'est incroyable en vrai. De toute façon y a pas mieux. Ah ouais c'est sympa. Mais sans RFC à mon avis ça pue sa mère. Je pense que ça va être une Bramble Vest. Après on a peut-être Sunfire cœur gelé, je pense qu'on peut attendre mais... Je pense que ça vaut le coup d'attendre un petit peu, au cas où. C'est broken. En vrai, c'est vraiment broken. Mais il faut juste un item up en last et c'est fine. Est-ce que je peux pas juste enlever le RFC? Je pense que c'est Spat Cava, on enlève RFC, non? Ouais, je pense que c'est ça. Hein. À mon avis, on va pas jouer avec ça. Et du coup, on peut faire ça et la mettre sur... Là. Je pense que je vais pas jouer les 6. Je sais que d'habitude, ça joue les 6, mais là, je pense que je vais jouer en 4-4. Donc comme ça on peut juste jouer derrière les rolls. Et comme ça on peut juste jouer 4 légionnaires au niveau 8. Ça fait. Ah c'est broken hein. Je vais RFC la Riven du coup. Comme j'ai dit En vrai Draven on s'en bat un peu les couilles. Il vient plus tard. Trap Claw par contre ça a Hunter. Double Trap Claw, Zroth Radiant. Oh, tu te fous de ma gueule là.
Ah, y'a des trap-clos partout quoi. Ah, cavaler contre Yasuo, c'est pas marrant. Hein. On est bientôt au 40 HP. Putain, mais tout le lobby est en dessous de 40 HP. Hein. Il gagne 41 HP. Ah, il a le seum. Je pense qu'il aurait préféré une Goodlust. Hein. Ah, nice bug. Rédemption, c'est pas mal sur Irelia en vrai. Ça me va de le slam en vrai. Je pense que la trap-clo peut être bien, non? Contre ça, c'est fort. Contre ça, bof. Contre ça, ouais. Sinon, Shroud overall, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est Shroud. Hein. Rédemption Irelia 3, c'est débile en vrai. En vrai, j'ai tellement d'upgrades qui arrivent là. Spatule. Trap-clo, I guess. Hein. Ok, ce rôle était assez juicy. J'aime trop les games où t'es turbo strong alors que t'as que deux items dans ton carry. Pile 40 HP, c'est magnifique. Oh. Dessus en fait. Alors il y a un truc, normalement personne le veut. Ok. Il est en train de me turbogriffe ce fils. Il est en train de me turbogriffe. Je vous assure qu'il est en train de me turbogriffe 100%. Hein. Très contente de sortir. Mon Yasuo est insane, genre. Il est dans la backline, il a dansé dans la backline et il a tué tout le monde. Ah, ça a upgrade sa Leona 3. Oh. Oh, le vilain Ruru. Ouais, je sais pas. Pas sur Yas et pas sur Riven, puisque c'est Yasuo mon carry par Riven. Et Yasuo en bénéficie 100 fois plus. Tu veux libérer là?
Fuck, le misclick. Ouais, bon, ok, là les gens commencent à se positionner. On est en 1v1, j'ai même pas remarqué. J'étais trop occupé dans mes rôles. Bon, si je perds ça, je me coupe une couille, hein. En vrai, si je perds ce round, je me coupe une couille. Je crois que je vais devoir me couper une couille. Parce qu'apparemment, même quand je me positionne parfaitement, j'ai l'impression que je peux pas gagner. Enfin, gros, j'ai shroud toute sa team, j'ai Zephyr son aimer, et je perds quand même. Par contre, ça c'est game, hein, si j'ai ça. Ok, celui-là, si je le perds, je me coupe vraiment une couille. Enfin, je ne peux pas jouer! Je ne peux pas jouer, le mec il se corner stack! C'est pas but, c'est pas GG ça. C'est dégoûtant, genre le mec n'a pas bougé un seul de ses persos et il gagne son round. Comment tu veux que je gagne contre ça? Allez, je me coupe les deux là. La victoire m'est impossible. Bon, après ça reste un top 2 et ça reste une game sympa.